PEGI 16. A vision comes to me. Vicious. Grotesque. Lustful. The stench of death. Sounds of agony. The ritual of death night. I feel it in the meadows. I sense it in the air. Your wickedness growing. Chaos spreading throughout my beautiful land. And I grow weaker. Your sword of Cain. The maker of widows. I know you seek it. But your efforts are futile. For I, Alariel the Ever Queen, Mother of All, will bring the light to end your darkness, Crone Halebron. Salut tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Alors on se retrouve pour une petite vidéo sur Total War Warhammer 2 et cette fois-ci pour vous présenter le dernier DLC The Queen and the Crone qui inclut deux nouveaux seigneurs des guerres. Une c'est les OF et l'autre chez les Elfes Noirs, donc c'est deux reines. Nous avons Alariel la Radieuse et Elbrond l'Ancienne chez les Elfes Noirs. Et donc là je vais vous faire une petite vidéo pour vous présenter la faction de Alariel, donc qui dirige Averlorn, et je vous ferai une autre vidéo pour Elbrond qui dirige Arganet plutôt. Et il y a aussi un DLC gratuit qui a été mis en ligne et aussi une mise à jour. Donc on a eu aussi Alit Anar, c'est un DLC gratuit, donc il y a un nouveau seigneur aussi chez les Hauts Elfes, donc j'en parlerai dans une autre vidéo. Et on a aussi un nouveau mécanique de jeu qui a été rajouté pour les nains avec de nouvelles unités, mais ça sera dans une troisième vidéo, j'en parlerai. Donc sur le DLC The Queen and the Crone, donc qui est sorti le 31 mai 2018. Ce DLC coûte 7,49€ sur Steam. Vous pouvez l'avoir moins cher, 6,74€ chez mon partenaire Games Planet. Et donc, on a deux nouveaux seigneurs légendaires qu'on peut jouer dans la campagne Œil du Vortex et la campagne Mortel Empire. Ce qui nous intéresse, c'est surtout l'Œil du Vortex. Donc, comme je disais, nous avons Alariel la Radieuse, Elbrond l'Ancienne et le DLC gratuit aussi, donc celui-là vous pouvez le télécharger, qui rajoute Alit Anar. Donc Alariel la Radieuse, alors qui c'est? Alors Alariel la Radieuse, de son petit nom la Reine Éternelle, c'est une magicienne haut elfe qui est dans le domaine de la vie, c'est-à-dire la nature, la vie, voilà, c'est son délire. Elle vit dans la forêt d'Averlorn. Donc la forêt d'Averlorn, c'est une énorme forêt qui a dans le nord d'Ultuan, et la Reine Éternelle vit dedans depuis la naissance d'Ultuan. C'est l'un des plus vieux monarques qu'il y a sur Ultuan. C'est pas la première, puisqu'il y en a eu une dizaine avant elle. Mais elle vit très très longtemps et elle co-gouverne l'île d'Ultuan avec le roi Phoenix, parce que le roi Phoenix est normalement son mari. Alors quand je dis co-gouverne, c'est que le roi Phoenix, lui, va s'occuper de l'île d'Ultuan, et surtout quand il part en guerre, c'est lui qui va prendre les armes, alors que Alariel
Donc la Reine Éternelle est une représentante de la déesse Disha, donc une déesse elfique de la terre, des plantes et des forêts. Et elle, la Reine Éternelle va plutôt s'occuper du peuple, en général, plus en général. Donc comme je disais, elle est là depuis l'âge d'or des hauts elfes, puisque le trône du roi Phénix a été créé beaucoup plus tard, quand tous les princes se sont réunis pour élire un roi. Mais avant ça, il y avait la Reine Éternelle, comme on l'appelle. Donc là, on incarne Alariel la Radieuse, qui s'occupe, qui est la chef de faction de Averlorn, qui était une faction mineure qu'on ne pouvait pas jouer encore. Et donc on va voir ce que ça donne, puisqu'il y a des nouveaux mécanismes de gameplay qui sont assez cool, et de nouvelles unités que je vais vous montrer les unités une par une, et je vous ferai une petite bataille pour les voir en action. Voilà, donc Averlorn, qui je joue en défi initial et difficile, parce que vous allez voir qu'elle est encerclée par les elfes noirs sur sa position. Alors, les effets de l'adaptation. Alors, on reçoit des bonus lorsque tout Ultimane est contrôlé par les hauts elfes. C'est-à-dire que il faudrait, donc au début, quand on commence une campagne avec les hauts elfes, malheureusement, une partie du Ultimane est occupée par les elfes noirs. Et donc, pour Alariel, c'est pas bon, puisque pour elle, elle va recevoir des malus. Comme c'est marqué là, subit des pénalités si des régions du Ultimane ne sont pas contrôlées par des hauts elfes. Et plus il y aura de régions contrôlées par les elfes noirs, plus ça va subir de malus, et plus la population va avoir du mécontentement. Et ça peut être mauvais pour elle. À l'incapacité de héros, plus 2 pour les demoiselles d'honneur, et un coût de rite de moins 75% pour invocation d'Isha. C'est pas rien. Après, les effets du seigneur. Alariel accorde des bonus persistants aux régions qu'elle visite, c'est-à-dire qu'elle va... quand on va se balader avec elle sur différents territoires, on va apporter du bonheur à la population, et aussi on va pouvoir faire reculer la corruption, que ce soit corruption chaotique, vampirique ou ce que vous voulez. Et comme dernier ajout, elle donne des dégâts de tir, donc plus 15% pour les unités de Sœurs d'Averlorn et de Demoiselles d'Honneur. Dans l'armée du Seigneur, vous allez voir que les Sœurs d'Averlorn sont assez pétées. Comme unité, c'est une unité bien sûr d'archerie, et elles sont très très fortes. On commence en unité de départ avec des lémures et des sorts d'Avalanche justement. Donc voilà, vous pouvez voir projectiles, perforant les armures, bonne portée, combattant mêlé, arc d'Avalanche. Donc l'arc d'Avalanche, c'est une arme magique qui a des propriétés pour percer les armures. Voilà. Perforant l'armure la plus épaisse. Donc en fait, il balance des flèches bleues. Alors déjà avec les projectiles perforants, les armures ça fait mal, mais en plus avec ça, je peux vous dire que les unités en face ne font pas long feu. Donc on va faire on va aller voir un peu en jeu ce que ça donne, et ensuite on verra une petite bataille. Donc voilà, on se retrouve pour montrer un peu le gameplay qu'on commence avec Averlorn, avec Alariel. Donc déjà, on a des effets de jeu, défenseur du Ultuan, protéger les royaumes du Ultuan de leur ennemi et la priorité d'Averlorn. Les royaumes extérieurs et extérieurs ont trois des précieux avantages s'ils sont tenus par les hauts elfes. Mais s'ils tombent entre les mauvaises mains, les conséquences seront désastreuses. Tourment du monde rituel. Donc, tandis que le chaos se répand, la force d'Alariel faiblit sur le champ de bataille. Pour gagner sa puissance perdue, Alariel doit se débarrasser de ses armées de chaos. Donc plus le chaos sera puissant... dans la campagne, plus votre personnage va faiblir, et plus le chaos va reculer, et plus vous serez puissante. Voilà, c'est deux facteurs qu'il va falloir prendre en jeu. Le chaos, et en même temps, le fait de devoir éviter que Ultuan se fasse envahir par des adversaires, surtout que vous voyez que là, j'ai déjà des elfes noirs à mes portes. Et donc on a l'épée de Ken, ça c'est une nouvelle mécanique qui a été rajoutée. Donc l'épée de Ken est une lame renfermant le terrible pouvoir. Donc l'épée de Ken, pour rappel, c'est l'arme avec laquelle Aenarion
le père de Malekith, a repoussé les démons du chaos pendant la première grande invasion du chaos, et que Kaledor a ouvert le vortex grâce à ça, blablabla. Et l'épée repose sur un hôtel là-haut aussi, là. Voilà, ça c'était rajouté, l'hôtel de Ken, qui est détenu par, le fléau de Ken. Et donc il faut aller s'en emparer. Mais ça apporte des bonus, mais aussi des gros malus. Donc voilà, celui qui l'apporte va octroyer une force prodigieuse au combat, mais une très longue utilisation de cette épée peut aussi mener à des troubles civils. Donc ça, il y aura du mécontentement sur votre territoire. Ceux qui ont cruellement besoin d'un tel pouvoir peuvent se permettre mettre à la recherche de cette arme et l'utiliser en dernier recours sur l'île de l'hôtel de Ken. Mais il est possible que des personnes au dessin plus sombre la convoitent aussi. Voilà, si vous êtes dans la merde et tout ça, vous pouvez aller la chercher. Apparemment, c'est assez pété. Voilà, l'épée de Ken, vous voyez que là, il y a un petit onglet, mais pour l'instant, tant qu'on n'a pas occupé l'hôtel de Ken, on ne peut pas l'utiliser. Là je suis envers contre le fléau de Ken. Donc vous voyez qu'ici on a les défenseurs d'Ultuade. Donc la confiance du peuple envers Alariel est de 31%. Et plus on va perdre de territoire, plus ça va baisser. Et forcément ça va donner des malus. Pour l'instant là j'ai un ordre de moins 3 dans toutes les provinces. Effet de la faction en cours. Et ça dans toutes les provinces, ça va être dans toutes les provinces d'Ultuade. Les revenus générés dans tous les, par tous les bâtiments, moins 11%, coût de construction, plus 16% pour tous les bâtiments, et relations diplomatiques, moins 1 avec les hauts elfes. Donc forcément, il va falloir que je pacifie toutes les régions pour que derrière, le peuple ait confiance en moi, et que au mieux que ça diminue, ça aussi augmente. Par exemple, Handmaiden of the Evergreen. Toi, tu vas aller là. I stand with you. Donc on est à combien là? On est à 31%. The Ever Queen. J'espère que je peux aller prendre ça direct. Cleanse this realm. Ouais, ça le fera. On a, tiens, elle a deux bannières d'office. Bannière d'Averorn. D'accord. Et le Cordichat. Ah oui, d'accord. Ça, c'est à l'arrêt de la radieuse. Donc après, on peut le mettre dans avec n'importe qui. On va donner ça à cette demoiselle, vu que c'est un truc pour les archers. Et tout en changement de puissance. Et ça, on va mettre ça pour toi. Donc je vais mettre ça en automatique, on va pas se prendre la tête. Order rules here. On va occuper. My light shines bright. Donc là j'ai gagné un. Voilà. Et normalement, je suis monté pas encore. Je suis encore à 31%. Ok, bon. Ça n'a pas beaucoup changé. Hein. Et Non. Voilà. Evergreen of Alpha. Sinon, on peut aller voir du côté de la demoiselle. Alors, qu'est-ce qu'elle a? Oh, déjà, je vais te donner ça. Donc, donc elle a l'étoile d'Averland. Donc ça, c'est pour les quêtes. Elle a une quête, commencera automatiquement au rang 15, ce qui lui donne taille de l'aura, commandement plus 25, effet de l'aura du personnage sur le commandement plus 5, coût en vent de magie moins 1 pour le sang de la terre, et coût en vent de magie moins 1 pour le sang de la terre amélioré, d'accord. Tour de construction des victimes plus 5% armée du seigneur et capacité étoile d'Averlorn. Donc l'étoile d'Averlorn, ça régénère les PV des combattants. Donc ça, vous verrez ça en fin de vidéo pendant la bataille. Et ça, c'est pour sur 200 mètres, sur pour tous les alliés. On peut avoir un coursier elfique en Ultimar, ou un grand aigle. Ensuite, à la sortie d'Isha, la bénédiction d'Isha aussi, le toucher de la reine éternelle, plus 12% puissance des armes, et attaque en mêlée, plus 4 en combat contre les comtes vampires et les rois des tombes, d'accord. Et malédiction du chaos, attaque en mêlée, plus 4 en combat contre les chaos Norska et Ombet. Ok. Après, pour les traditions, c'est à peu près la même pour qu'on retrouve tout le temps. La présence charismatique, c'est pareil. Elle a des pouvoirs, vu que c'est une mage, donc le sang de la terre, qui va régénérer les PV des combattants. La protection de pas, le don de la vie, se déclenche lors du lancement d'un sort, régénère les PV des combattants. Vu que c'est la magie de la terre et de la vie,
Elle a beaucoup de soins. Bouclier de ronce. Efficace contre les dégâts perforants. Ok. Elle a le bouclier de Saferi. Ensuite, elle a la tempête. Alors ça, c'est efficace que contre les unités volantes. Donc c'est un truc qui balance des éclairs. Elle a l'exorcisme. Le catharsis magique. Ça c'est contre surtout les héros. Et le bannissement, ça c'est un sort puissant très classique. Et contre les grosses unités, c'est vraiment très très efficace. Après, je pense que là non plus, il n'y a rien de spécifique à elle. Bon, je connais pas par cœur toutes les compétences des hauts elfes, mais première vue, il n'y a pas. Donc elle apparaît directement avec deux bannières, ce qui est pas mal. Et aussi un objet arcanique. Ah, j'avais pas vu la portée d'Averand. Donc risque initial d'échec moins 15% de la terre améliorée. Ok, c'est pour recharger plus vite. Et sinon, pour finir, elle a un rite propre à elle-même. Donc l'invocation de Léat ou Lilaet. Donc qui coûte 2000 pièces d'or. Il a un temps de repos de 15 tours et il dure 5 tours. Donc ça permet de recruter de plus 2 les sœurs d'Avelorn. Et le héros de plus 3 pour les demoiselles d'honneur. Ça donne un plus 20% pour les dérades en armure. Et ça baisse le coût d'action du héros de 75% pour les demoiselles d'honneur. C'est pas mal. Le plus 20 d'armure pour Dryade. Ça peut être efficace, surtout que Servant of Light. Voilà, des dryades, et normalement, je ne sais pas s'il y a des bâtiments spécifiques, mais à Averlorn, ils ont l'entrée des racines du monde en sommeil. J'ai pas souvenir qu'il y avait ça. Je crois que ça, c'était d'office. La cour de la Reine Éternelle, ça y était. Mais ce bâtiment-là, ça donne les zones homme-arbre et les murs et une dryade. Voilà, bâtiment spécifique. Et après, qu'est-ce qui donne les guerriers des ombres qui sont dans le hall de guerre. Donc le guerrier des ombres, c'est une unité spécifique pour Averlorn. Et ensuite, on a ces demoiselles, normalement. Les sœurs d'Avelorn et demoiselles d'Avelorn sont dans la galerie des demoiselles d'honneur. Donc il y a un bâtiment spécial pour elles. Qui déverrouille les sœurs d'Avelorn, forcément. Donc ils sont une unité spécifique aussi à Averlorn, déjà archer. Et pareil pour le héros, que vous verrez après. Et après, normalement, je crois que c'est tout. Oui, il n'y a rien d'autre de spécifique comme bâtiment. Puisque il n'y a que deux unités uniques à Averlorn, plus un nouveau héros. Et après, ce sont des unités de renom qui ont été rajoutées. Et les unités de renom, de toute façon, là, sont bloquées. On ne pourra pas les voir, mais de toute façon, il y en a 8. Et je vous les montrerai par la suite. Et sur ce, on passe justement autour des unités. Et on se retrouve sur le laboratoire pour aller voir toutes ces nouvelles unités. Donc surtout aller voir Alariel la radieuse et ses unités uniques qui l'accompagnent, plus toutes les nouvelles unités de renom qui ont été rajoutées. Donc il y a 8 nouvelles unités de renom pour les hauts elfes. Donc on va commencer par Alariel qui est là. Ici, qui est forcément une magicienne et qui a quand même pas mal de sorts. Donc là, vu que je suis sur le laboratoire, j'ai tous les sorts débloqués. Et donc, conduite arcanique, elle a la tempête et le vortex qu'on avait vu, qui ont l'air quand même assez pétés. Et ensuite, elle a des boosts pour le dégât des armes. La régénération de PV pour les combattants, ça c'est pas mal. Et en plus c'est 7 secondes, vous terrain a fait 200 mètres. Maximum de régénération de points de vie atteint. D'accord, classique.
progression de pas, donc ça c'est plus 30 en armure et autres. Voilà, une petite magicienne qui fait le café. Ensuite, en personnage unique, donc que pour Averlorn, nous avons la demoiselle de l'honneur de la reine éternelle, qui est une spécialiste d'armes hybrides, qui a anti-large, défense versus charge d'unité large et arc d'Averlorn. Donc l'arc d'Averlorn, c'est un arc qui tire des flèches bleues mystiques. Cet arc excellent à incendier des unités vulnérables et à perforer l'armure la plus épaisse. Qui a l'air d'être une arme assez pétée quand même. Tire vive argent, donc elle a le temps de rechargement forcément. À la chercheur d'ennemis, plus 24% en vitesse et 18% en vigueur. À la encourager. Ok. Ensuite, nous avons donc ça c'était pour en héros unique, et donc on a deux unités uniques aussi qui sont accessibles avec Averlorn. Donc nous avons en premier lieu, je vais passer là, les sœurs d'Averlorn, donc qui sont une unité de lance projectile, qu'on projectile perforant les armures, une bonne portée, donc 180 mètres. Combattant en mêlée descend et aussi un arc d'Averlorn, donc elles ont projeté parfois les armures plus l'arc d'Averlorn. À mon avis, elles doivent faire très très mal. Et elles ont pour prouesse martiale, forcément. Donc ça, vu que c'est une arme magique, ça doit être efficace contre toute créature mort-vivant ou autre. Et nous avons les guerriers des ombres qui sont aussi... Les guerriers des ombres, ils sont là. Hop, je les ai foutus en forêt. Je vais les mettre là pour l'instant. Voilà, les guerriers des ombres qui, vous allez voir, ressemblent... Moi, pour moi, quand je vois leur casque, on dirait des elfes noirs. Mais, bon, voilà, ce sont des hauts elfes. Donc, infanterie dans ce projectile, ils ont aussi une bonne portée, 180 mètres, et déploiement de l'avant-garde, rôder et mettre en embuscade. C'est-à-dire qu'ils peuvent tirer tout en étant... En restant restant dissimulé. Voilà, ils peuvent tirer en mouvement et en plus rester ils peuvent tirer en restant dissimulé. Ça c'est très bien ça. Je vais prouesse martiale, rôder, cette unité peut se déplacer furtivement sur tout type de terrain, feu en déplacement forcément, et ils ont déploiement de l'avant-garde, donc ça c'est pas mal du tout. Je vais laisser ça pour l'instant. Là, c'est pas mal du tout, mais je voulais pas faire ça à la base. Voilà, comme ça c'est mieux. Quoi ? Tu m'énerves. C'est bon là ? Tu m'obéis ? Voilà, merci. Donc ensuite on va passer aux unités de rond. Voilà pour les deux unités uniques et le héros unique qui sont au service d'Averlorn. Donc en unité de renom, on en a 8. On va déjà commencer avec les rejetons de Matlan qui sont des lanciers. Ah oui, en fait je me dis pourquoi ils sont blancs et là ils sont verts. Oui, parce qu'ils sont... Alors qu'ils sont des lanciers, vous voyez que à côté on a des lanciers classiques. Et les lanciers de Matlan, ils sont bien bien classe. Avec leur bouclier, avec les... je sais pas ce que c'est. On dirait un Léviathan. Donc ils ont bouclier, anti-large, défense contre toutes les charges et une aura de magie. Donc l'aura de magie, cette unité est entourée d'une ou plusieurs auras de magie qui renforcent les alliés alentour et contamine. Les ennemis, donc c'est une aura de protection, applique une résistance ultime aux unités alentour tant qu'elle a au moins 50% de magie. Donc voilà, comparé, vous voyez que les lanciers classiques, ils ont défense versus charge d'unité large. Eux, c'est contre toutes les charges, donc de n'importe quelle unité. Donc ensuite, nous avons les... où ils sont mes petits... Les lions blancs de Shras, donc là ça s'appelle les bataillons des crinières. Les lions blancs de Shras qui sont reconnaissables avec leur tête de lion en épaulière et leur hache, qui sont des unités d'élite hein, parmi les hauts elfes.
Donc eux ils sont en armure, ils ont perce armure, cap du lion et guide des forêts. Ils ont gardien, prouesse martiale forcément, se cacher en forêt et résistance aux projectiles. Donc la capacité gardien c'est plus 18% en résistance physique. Et bien sûr ils peuvent percer des armures, ce qui est très efficace contre des unités lourdement... Bah des unités lourdes d'ailleurs. Ensuite nous avons les gardes phénix qui sont aussi une unité d'élite parmi les hauts elfes qui sont bien classés avec leur lance, leur hallebarde. Donc qui se nomment les gardiens de la flamme, qui sont en armure, perce armure, anti-large et ils ont la marque d'Azurian. Maîtrise martiale aussi, se cacher en forêt ils peuvent, défense experte contre les charges. Ils provoquent la peur et ils ont une résistance physique. Donc la marque d'Azurian, ceux qui portent la marque du créateur reçoivent sa vengeance divine lorsqu'ils frappent des flammes vengeresses d'Azurian en cercle le tueur indigne. Donc c'est une attaque magique et donc les ennemis peuvent prendre feu et en plus ça inflige des dégâts aux ennemis alentours. Donc c'est bien comme il faut. Et c'est un peu comme le, comme ils disent, une interprétation du coup de grâce du nain tueur. Ensuite, nous avons, alors, ils sont où les petits? C'est qui que je cherche? Non, c'est pas toi. C'est eux. Voilà. Les chevaucheurs du vent, donc des gardes maritimes de Lauterne, qu'il faudrait que je place, ouais, parce que je les ai placés à l'arrache comme ça. Donc qui eux ont anti-large, déploiement de l'avant-garde, défense versus charge d'unité large et feu en déplacement. Ils ont prouesse martiale, feu en déplacement, ok, se cacher en forêt, déploiement de l'avant-garde, défense contre les charges larges et provoque la peur surtout. Voilà, le côté bien c'est provoquer la peur, déploiement de l'avant-garde et le feu en déplacement. D'ailleurs il faudrait que je les foute. Bon j'ai de bien là. On va vous laisser là. Ensuite, nous avons les gris. Donc les gris, qui sont là, voilà. Ce sont les fameux guerriers de l'ombre que je vous ai montré, sauf que là, on a une unité de renom, donc qui s'appelle les gris, donc les guerriers d'ombre, et eux, ils ont une bonne portée, déploiement de l'avant-garde, et maître en embuscade. Alors qu'est-ce qu'ils ont pas? Ils ont pas la maîtrise rodée. Et par contre, ils ont beaucoup plus de bonus en défense en mêlée, en commandement, en attaque en mêlée et en dégâts à distance. Et ils ont surtout la capacité de sueur de Loek. Donc ils gagnent à plus 24 en vitesse, ils peuvent rôder et visible uniquement à très courte portée. Ils ont prouesse martiale, tir embusqué. Classique. Et peut s'être déployé en avant-garde comme les autres. Nous avons ensuite la garde de la cour de la garde éternelle. Où est-elle? Non. Ah, c'est les sœurs. Ouais, ok, c'est sûr. Elle est là. Donc pareil que les autres. Infanterie lance projectile, les gens projectiles plafond aux armures, bonne portée, combattant en mêlée des sangs et arc d'Averlorn. Alors comparé aux autres, les bonus, enfin les leur capacité ne change pas. Par contre, elles ont la bannière d'Averlorn qui leur donne un taux de rechargement de puissance en magie, je crois, qui est amélioré. Et elles ont encouragé, les unités apportent un bonus de commandement aux alliés alentours. Si une unité se trouve près de l'aura du seigneur, ainsi que d'une unité encourageante, elle recevra le plus gros des deux bonus. Et nous avons les deux derniers pour finir, donc les nés du feu, enfin ils appellent ça comme ça, les nés du feu, normalement ils s'appellent les enfants de la flamme. Les enfants de la flamme qui sont des princes dragons qui sont super beaux, franchement cette unité elle est super belle, ça fait penser à... Au chevalier du sang là, parmi les vampires qui sont des armures de dragon aussi. Donc armure dragon, armure et bouclier, anti-large, maîtrise martiale,
Ils ont une résistance au feu à 70% et ils ont surtout ils attaquent enflammés. Donc leur capacité c'est bonus contre les unités larges et attaque de feu avec leur magnifique lance de feu. Et pour finir, nous avons les héros du vent, donc des patrouilleurs illyriens avec arc. Bon, eux ils ont rien changé, combattant en mêlée des centres, très rapide, déploiement de l'avant-garde, feu en déplacement. Ils ont surtout un bonus en vitesse, donc leur vitesse a été augmentée et les statistiques de mêlée aussi sont supérieures en attaque et en défense comparé à des classiques. Bon, j'ai fait mes quelques petites modifs et donc on va pouvoir faire cette petite bataille. Ça on est bon. Enfin, j'ai planqué en forêt mais c'est pas utile. Je me demande si... C'est quoi ça déjà? Ok, on va faire un truc comme ça. Tu vas aller là. Toi tu vas aller par là. Toi tu vas aller par là. Voilà. Forcément, je me bats contre des saletés d'hommes bêtes. On cherche les mots. Bon, alors toi t'as des pouvoirs, j'aimerais mieux savoir comment ça marche. Non, pas comme ça. Ouais, faut que ce soit super proche. Quoi. Ça c'est quoi ça? Efficace contre un seul guerrier. D'accord, d'accord, d'accord. Alors attendez. Pause, j'aimerais bien utiliser des pouvoirs bien cool. Faire ça. Ça c'est le vortex. Allez. Parfait. Donc toi, tu fonces là-dessus. Oh là là. C'est quoi ça? Des Razagor. Ouh, ça va être chaud. Allez, tu me vises là-dessus. Merde, ma cavalerie. Oh, j'ai une fâcheuse tendance à toujours oublier mes cavaleries, moi. Vous me tuez ça, s'il vous plaît? Ouh, punaise. Comment ça marche ce truc? Alors attendez. Ah putain, c'est des cibles en plein vol. Ok. Ah mais il est là lui. Fais-moi ça. Fais remonter là. Là-dessus, 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 et là-dessus. Ok, lui il est en panique, en train de morfler. Va découvrir eux. Ah merde, ils ont enfoncé des lignes. Allez, allez, vous portant là. Ouh, ça fait mal ça. Ouh la vache. Ouh. Oh putain, lui là. La cavalerie qui est en train de se faire avoir, j'ai même pas pu l'utiliser Allez, on se casse, on se casse, on se casse, on se casse.
Je vais utiliser ma cavalerie au bon escient. C'est quoi ça? Allez, on les tue là. Il se fait. Ils sont pétés les. Par contre les Razagor là, ils sont casse-couilles. Je dis pas contre. Je dis ça, mais ils font chier. Tiens. Là-dessus, s'il te plaît. Quelqu'un peut m'avoir eux là. Ok, cavalerie. Ça va me faire chier mais Alors les gerciers sont toujours autant pétés. Hein. La cavalerie qui est passée à travers ce jeune homme. Allez, on va les aider. Allez, on refait une charge. J'ai perdu beaucoup de pertes. Les Welf. C'est vrai qu'ils sont assez fragiles quand même. Hein. Mais partons. Oh putain, les. Oh là 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 là. Ces arcs magnifiques. J'adore. C'est mortel contre. C'est très mortel contre des trucs qui sont en armure lourde. Pas lui foutre une flèche dans le dos là. Ah, tu tires super long en fait. Elle est une belle flèche là. Tu lui colles. La dernière. Ah, dommage. T'as failli l'avoir. Bon, j'ai pas utilisé la cavalerie comme il fallait. Je vais lui mettre des trucs qui volent parce que je voulais utiliser les éclairs, mais j'avais pas vu que c'était efficace contre les unités volantes. D'accord, bon, donc on se contre des nuées de chauves-souris ou de lézards volants. Bon bah voilà pour cette petite bataille pour la présentation des unités d'Averland. Donc forcément c'était pas très équilibré, mais je voulais faire surtout jouer les unités. Les nouvelles unités, donc bon, c'était c'est un peu subi, et en face j'aurais dû mettre des trucs plus soft. Ça fait massacrer les pauvres. Bon, le géant il a pas duré long, il a pas fait long feu, il s'est fait rect par les archers quand il est en focus. Allez, sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve, je vais ensuite faire une petite vidéo aussi pour vous présenter la reine plutôt de Elbrond et toutes ses unités de renom qui sont avec. Je ferai la même vidéo à peu près. Allez, je vous dis à toutes et à tous une bonne semaine et on se retrouve pour une prochaine fois sur Total War Warhammer. Ciao tout le monde.